اليوم الجمعية ديالنا جمعية الآباء والأمهات ديال المدرسة البلجيكية تم استقبالنا من طرف سعادة سفير جمهورية الصين الشعبية اللي فرح بالفكرة اللي اقترحنا عليه ديال أننا وضعنا على قدم وساق واحد البرنامج سميتو تأشيرة حول العالم واللي حاولنا من خلال هذا البرنامج نفتحوا الآفاق ديال الحلم الأطفال الصغار وذلك بالتعرف على دول أجنبية تقيم علاقات صداقة وأخوة مع المغرب وكانت التجربة ديال الصين الشعبية جميلة جدا وكما تعلمون لأن الصين فيها عندها ثقافة عجيبة وثقافة تدعو على السفر وعلى الحلم وهذا العمل كله يأتي في إطار الدبلوماسية الشعبية التي تشتغل عليها المؤسسة الدبلوماسية منذ أزيد من 20 سنة فلتمكين المغاربة من التعرف على التراث والثقافة ديال الدول التي لها علاقات مع المغرب من خلال سفاراتها. احنا هنايا في اطار واحد المبادره كديرها جمعيه اباء وامهات المدارس البلجيكيه بالرب فرع الرباط وكنديروا سفر عبر العالم كل مره كيمشيو لدوله واليوم جا الدور ديال السفاره ديال الصين وجينا هنا كيكون ما شفتوا كيديروا لهم في المره الاولى كيديروا لهم واحد العرض على الثقافه وعلى البلاد والمدن المهمه في البلد وكيعطوا واحد النبذه عامه ومن بعد دابا كيديروا واحد الورشات ديال الرسم ومن بعدها غادي يدوزوا عاوتاني لتذوق بعض الشهيوات والمأكولات الصينيه اللي معروفه بها بلد الصين وحنا كنتمنوا بزاف هاد الفكره هذه اللي جات من طرف رئيس ديال الجمعيه ديالنا كل مره كيدينا البلد وكل مره كنديروا واحد السفر بلا ما كنضطروا نجيو نسافروا كنسافروا غير هنايا على الغايه ما تجينا ان شاء الله الفرصه باش نمشيو لهذوك الدول. لينيسياتيف دو لا فونداسيون ديبلوماتيك نو افون اورغانيزي انسامبل une activité appelée Visa pour le monde. Et je pense que c'est une activité très intéressante au profit des enfants qui sont venus pour la première fois à l'ambassade de Chine. Et je pense que l'activité que nous avons organisée tout à l'heure a donné l'envie aux enfants de partir découvrir la Chine. Il faut dire que l'enfant représente l'avenir des relations entre les deux pays, c'est peut-être ses enfants, ce sont peut-être des futurs diplomates, ce sont peut-être des ambassadeurs en herbe. En tout cas, l'ambassade de Chine est très heureux d'avoir arrangé ce programme en collaboration avec la Fondation diplomatique. Selon le président chinois Xi Jinping, les meilleures relations entre les deux États passe nécessairement par les meilleures relations entre les deux peuples. Alors nous avons commencé par des enfants et désormais nous voulons travailler davantage avec la Fondation diplomatique, même avec d'autres organisations pour diversifier les activités au profit des échanges entre les deux pays. Bonjour, je m'appelle Ali Pélesdoub. Et je suis content d'être là. Et j'aime bien la culture chinoise. Et je suis content d'être là. Et un grand merci pour Monsieur Rebek et d'avoir organisé cet événement. Je m'appelle Rania, je trouve que cet événement il est très bien et je voudrais aussi remercier M. Habek, le président, et pour l'association. Toujours il nous fait des super surprises et maintenant il nous a ramenés en Chine et je voudrais le remercier. Anna Smithy Zakaria Touti, j'ai 9 ans. Elle a dit l'activité, j'ai dit Zouina.
Pardon, Alakin Asmiti Yahya, j'ai 9 ans et demi. Yahya Mabdou, quoi. 10 ans moins 3 mois. Je trouve que cette activité est un peu amusante, sauf que les profs ils parlent en plein langue, anglais, français. Il y a des gens qui parlent avec en chinois plutôt. Et c'est tout ce que j'ai à dire. Je m'appelle Abdelrahman et en fait, je voulais remercier l'association APE de nous avoir invités dans ce beau pays, de nous avoir fait voyager. Je trouve que ce pays est très très beau et je remercie plus précisément monsieur Habek, celui qui nous a fait voyager ici et je trouve que le pays est très très beau. Merci. Had l'événement, j'ai un amkian mais ماشي الاول مره كنديروه ولكن vraiment bien. Ana j'ai 20 ans ولكن les profs qui parlent en anglais ou qui ne comprennent pas l'anglais ici. Mais après, je venais. Bonjour, je m'appelle Leïd, mon nom de famille Belasri. J'ai 9 ans et je fais des activités et j'aime bien la vie. Allez,